C'est parti. Tchik tchik tchik. Aïe aïe aïe. On se sent pas du tout ridicule. C'est ça qui est bien. C'est le pique-nique. Le pique-nique de ouf. Alors, qu'est-ce que tu fais, Fantin ? Du trampoline. Il fait super beau. On est à l'heure du déjeuner. Et Fantin a eu une super idée, c'est quoi ? De faire un pique-nique dans le trampoline. Alors voilà, oui, effectivement, l'idée de Fantin, c'est de faire un pique-nique trampoline. Alors j'ai trouvé ça assez insolite au début. Et puis je me suis dit, tiens, ça peut quand même être assez rigolo, effectivement. Alors pour ça, nous avons tout le matériel requis. Et là, puisque c'est votre idée, les enfants, enfin Fantin surtout, je vais te laisser installer la couverture dans le trampoline. Voilà, il faut mettre voilà, la couverture. C'est quand même une idée folle. On est fous, nous, les démons jouer. Hein. Est-ce qu'ils vont s'en sortir à mettre la couverture tous les deux? C'est pas donné. Ah, c'est pas mal, ouais. Tu sais ce que j'ai préparé, Fantin? Des croque-monsieur. Des croque-monsieur. Donc, je vais les chercher. Papa est arrivé, il est là. Oh là, le look d'enfer. Ah là, c'est le look printemps. Hein. Il est beau comme... Il y a un mignon qui arrive. Ah oui, il y a un mignon, dis donc, dit Fantin. Mais c'est vrai, c'est un mignon. Je suis pas loin, c'est mon mignon à moi. Tiens, est-ce que le mignon, il veut bien m'aider à distribuer? On va s'installer, on va voir si le trampoline... C'était... Alors bon, c'est l'idée de Fantin. Hein. Les enfants, vous nous faites faire des choses quand même. C'est incroyable. Oui, oui, oui. Ah bah, je vous dis bonjour, hein, parce que vous ne m'aviez pas vu encore. Alors ça remue un peu. Hein. Ah, voilà. Alors donc, Fantin a déjà... Tu vois, c'est un croque-monsieur, ça, que tu as? Et qui est-ce qui a fait le croque-monsieur, alors? C'est maman qui a fait les croque-monsieur maison. Oui, quel drôle d'idée. Ça, c'est pour la digestion. C'est pour... Est-ce que c'est pour aider à digérer le trampoline? Ça aide, tu penses? Ok. Bon. Alors, le mien. J'ai oublié de prendre les serviettes. Catastrophe. Ah, ta-la. Catastrophe, faut gérer. Story time, maman a oublié les serviettes, c'est vrai. Une fois qu'on aura terminé, c'est délicieux, je dis bien parce que c'est moi qui les ai fait, oh là là. Oh là là là, là mais c'est la cata là. Voilà, les serviettes pour l'un, pour l'autre. Une fois qu'on aura terminé, c'est délicieux, croque-monsieur. Et bien, pas de nous agiterons ah, les yops. Ah si, si, j'ai une toilette trop, je sais pas. Par essence, les yops, ça s'agite. Donc comme on est sur un trampoline, ce sera plus facile. Voilà, alors Amandine, tu veux voir les chips direct? Ah bah par-dessus, voilà, exactement, tu tires, regarde. Pour bien ouvrir le paquet, tiens, tu veux tenir la caméra? Je te montre. Pour bien ouvrir, tu vois, tu tires les deux côtés du sachet, et hop, regarde. Hop là. Tout simplement, et il est bien ouvert. Peut-être que vous ne voyez pas, mais Amandine fait une tête bizarre. Allez, tiens, tu veux une chip? Voilà, elle veut une chip. Une chip ou plusieurs chips. Hein? Voilà, chips pour Fantin. Voilà, voilà. Oula, mais il y en a plus sur le pantalon que. Hein? Ah, c'est pas mal ça. Fantin s'est servi de son papier aluminium comme d'une assiette. Malin. Il y en a là-dedans. Hein. Il y en a là-dedans. Hein. C'est une famille débrouillarde. Non. Hein. Hein, j'ai pas un poids chiche là-dedans. Moi, je vais faire 1, 2, 3 pour la famille des Maujouets. Yeah! 1, 2, 3 pour la famille des Maujouets. Yeah! 1, 2, 3 pour la famille des Maujouets. Yeah! 1, 2, 3 pour la famille des Maujouets. Yeah! Je vous fais bouger un peu là. Alors, oui, c'est vrai, Fantin vient de nous le dire. Qu'est-ce que tu viens de nous dire, Fantin? Ouais, le trampoline, il fait moustiquaire. Et c'est vrai qu'on n'a pas été attaqué par une seule abeille, ni... Il y a la barrière du filet, là, qui... Ouais, ouais, donc c'est plutôt pas mal. On a souvent des abeilles de ce côté-là. Donc là, on est tranquille, hein, en fait. On est tranquille, à moins de tomber sur une abeille super maligne. Ouais, qui va passer par au-dessus. Qui comprendrait qu'en passant par au-dessus, elle pourrait... Ouais, ouais, mais enfin là, faudrait qu'on tombe sur une Einstein de l'abeille. Voilà. Et celle-là, on l'attrape et on la garde de côté pour faire des tours de cirque, peut-être. C'est ça. Ah, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est super confort sur le trampoline, contrairement
Sur la pelouse, là, on est bien, on est comme dans un petit siège. Ah oui, c'est pas trop dur. C'est bien agréable. C'est confortable hein, quand même. Hein. Ouais, c'est ouais. Sûr, il n'y a pas l'humidité du sol. Là. Non, mais c'était une très bonne idée de Fantin, on le félicite. Bravo. Et nous allons bientôt, puisque nous allons terminer nos sandwichs et tout, et nos chips, nous allons bientôt, dans la séquence d'après, nous allons sauter pour remuer nos yops. Vous êtes d'accord? De toute façon, pour le secouage du yop, on va faire c'est un par un dans le trampoline pour secouer son propre yop. Exactement. Alors, ça y est, tout le monde est armé de son yop et c'est Fantin qui commence. Allez, c'est parti. Faut le remuer dans tous les sens. Voilà. Super. Ouais. Super. Ouais, ça c'est bien ça. Non. Bah, alors à maman, allez, moi je vais tous les remuer. Ah mais t'en as plein là. Moi j'en ai plein moi. Attends, laisse-en moi. À moi. Oh. 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 On se sent pas du tout ridicule. C'est ça qui est bien. C'est le pique-nique de ouf. Fantin, ouais. C'est bien. Voilà. Voilà, voilà. C'est dur avec des bouteilles, c'est lourd. J'essaie de jongler avec les yops. Oh là, non, ça c'est pas possible ça. Oh là, pas mal. Oh, c'était un bel essai ça. C'est parti. Tchik-tchik-tchik. Aïe, aïe, aïe. Aidez-moi jouer, aidez-moi jouer. Aïe, 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 aïe. Aidez-moi jouer, aidez-moi jouer. Aïe, aïe, aïe. Super. Allez, on arrête maintenant. Ah, il y a papa qui a pas secoué son yop. Ah, bah tiens, oui, c'est vrai. Allez. Ah, j'ai touché la branche, là. Hop, on commence. Je vais faire un trou dans le trampoline. Ouais, mais il nous fait remuer, hein. Il nous fait remuer un truc de fou. J'essayais de me remettre sur les pieds, mais non, ça marche pas, j'y suis pas arrivé. Je vais me casser un truc. Hein, ah non, attention, vas-y, mollo, à ton âge, hein, c'est dangereux. Hein. On n'est pas des pros du trampoline. Non. Hein. Non. C'était pas mal. Hein. C'était pas mal. Hein. On l'applaudit. On l'applaudit. Bravo. Allez, à toi. Allez, à toi. Fais, montre-nous ce que tu sais faire, Amantine. Allez. Ouais. À la une. Moi, je fais la musique. Allez. Ouais. Fanta fait la musique. Fanta Ito Tam Tam. Allez, on saute. Bravo. Waouh. Super. Ouais. C'est génial. Elle le fait bien. Hein. Ouais. Super. Ah ouais, quelle Bravo. Classe, quelle classe. C'est bien ma puce Ron. Hein. Non mais attends, attends, elle a pas fini hein. C'est son premier tour hein. Ah, toi aussi t'essayes de faire un jonglage. Non, non, ah pas mal, pas mal. En sautant. Ah oui mais il y a un mentir avec toi. Allez, alors maintenant on va le faire en sautant, d'accord? Tiens, Martin, mets-toi sur le côté, on va essayer ça. Non, en sautant. Allez. Oh, il faut pas que je touche la branche. Deux. Attends, un, deux. Oh, son sang. Oh là là, il a failli nous, il a failli nous assommer avec ses bouteilles, mais il est ah, fou. C'était pas loin. Cap ou pas cap de. D'échanger les bouteilles en sautant. D'échanger les bouteilles en sautant. Ben non, pas, comme ça. Pas mal. Ah, c'était pas mal quand même. Il y avait de l'idée, il y avait de l'idée, hein. Bon, Amantine, elle a décidé de manger son yop. Bravo. Bon, est-ce qu'on déguste le yop maintenant? Oui, on y va. Hein? Allez, on a bien mérité. Alors, restez avec nous parce qu'il va y avoir une... J'y crois pas. Il va y avoir une ultime épreuve qui va être l'épreuve du paquet de chocolat. Du chocolat. Voilà, des œufs, chocolat. Des œufs en chocolat puisque quand même on n'est pas loin de Pâques. Alors... Le ça, yop. Alors je vais goûter le mien, moi je vais vous dire. Hein. Je te veux le faire aussi. Oui. Ah écoutez, j'ai jamais goûté un yop aussi bon. Hein. Parce qu'en fait, il a été bien remué. Alors ce n'est pas du placement de produit, hein, quand même, on tient à le dire. On aurait pu, mais non. Bah oui, c'est vrai, on aurait pu se faire payer par yop. Mais non. Pour faire la pub. Par yop lait. Par yop, mais non, mais non. Ils ne l'ont pas souhaité. Enfin, faut dire qu'on l'aura pas demandé non plus. Non. Alors, Fantin me donne son yop. Non, 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 pas du tout. C'est super, merci. Deux yop. Je veux que tu l'ouvres. Ah, c'est ça. Merci.
Ah non, notre chip, Amandine, tu me le donnes? Non. Non, c'est à moi. Ah, toi. Bon, bah, je crois qu'on va se débarbouiller maintenant quand même un peu. Ouais, et on va passer à l'ultime épreuve de ce pique-nique trampoline. Alors, le pique-nique continue avec ce jeu voilà, qui est assez génial, la pêche aux enfants. La pêche aux enfants, voilà, comme l'appelle Alexandre. C'est ça, c'est l'hameçon pour attraper les enfants. Voilà. Alors, normalement, quand on balance ça au-dessus de la tête des enfants, en général, ils mordent. Crac, crac, crac. C'est pour ça qu'on appelle ça le... Fais voir ce beau paquet. Ouais, je pense que c'est un beau paquet de packs, ça. Ah bon, Amandine, elle est... Elle est à fond, là. Pour commencer. Allez, elle commence. Allez. Hop. Ça y est, c'est dans l'arène. Le poisson est dans le bocal. Oh là. Oh là. Oh. Hop là. Oh, bon. Presque, Amandine. C'est pas évident, c'est plus facile. Oh, moulin, elle a attrapé. Ouais, bravo Amandine. Donc elle a gagné son paquet de chocolat. Alors évidemment, la pêche aux enfants peut fonctionner aussi avec des joujoux. Ouais. Pas oublier de mettre des bonbons. Mais... voilà, avec les bonbons, la pêche aux enfants, ça marche bien. Ouais. Hop là, tiens Amandine. Allez, tu... Ah ben tu sors. Tu sors, c'est à Fantin maintenant de pêcher ces chocolats. Toi, tu les as gagnés. Attends, bravo, ma chérie. Hein. Attention, lancez pour attraper le Fantin. Hop. Ouh, hop. Non. Oh. Oh non, c'était trop facile, là. Ah là. Non, elle a sauté trop, mais j'ai pas eu le temps. Ouais. J'ai cassé le bâton. Le Fantin a cassé la canne. C'est vrai. Il a cassé la canne, le Fantin. C'est un poisson qui est difficile à attraper. J'y crois pas. T'as cassé la canne. Non mais... Bon bah voilà, on peut plus pêcher d'enfants maintenant. Hein. Bon bah bravo Fantin. Bravo. Ça a été un petit peu facile. Ouais. Ça a été trop rapide. Bon, deuxième essai. Fantin a estimé qu'il s'était pas assez amusé, même s'il avait attrapé son paquet. Allez. Il a tiré trop fort et voilà, donc il recommence le bâton. Le bâton. C'est pas lourd. Le bâton a été réparé. Ah, pas mal, chérie. Ah, pas mal. Ah oui. Oh là là. Je l'ai pas. Bravo! Et ben voilà, c'est sur ces images de bonheur, de joie, de saut. On a attrapé deux enfants. Quand même. Voilà. C'est bien. Bon ben, en tout cas, on vous fait plein de bidous. Ouais, on bidous, vous embrasse très fort. On espère que cette vidéo vous a plu. Allez, gros bisous à tous. Ciao.